Internet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de filmer ce vidéo pour vous montrer comment j'apprends le russe à la maison avec mon mari qui est lui russe. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. Et puis, j'aimerais vous partager ça. Comme ça, on apprend tous ensemble. Et voilà, allons-y. Всем привет, меня зовут Костя, это моя жена Лю, это моя дочка Шанель, ей 1 год, я русский, мы решили записать видео, как я помогаю моей жене учить русский язык. Приятного просмотра! Bon, voilà, c'était la présentation en russe. Que nous allons apprendre plus tard dans ce premier vidéo d'apprentissage. Donc nous allons aborder l'alphabet tout d'abord, qui est la base de toute chose. Alphabet, c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui. Ça signifie alphabet en russe. L'alphabet russe, tout en sachant qu'il possède 33 lettres, dont des consonnes, des voyelles et des signes qui le différencient donc à celle de du français, et c'est une langue slave, hein, et c'est la langue la plus parlée en Europe en fait, et voilà quoi. Allons-y. Alphabet. A. Arbus. B. Banane. V. Fork. G. Гусь. Д. Дом. Е. Енот. Ё. Ёж. Ж. Жук. З. Заяц. И. Игва. И краткое, йогурт, К, кот, Л, лук, М, мышь, Н, ножницы, О, облако, П, помидор, R, робот, S, стул, T, топор, U, утка, F, фонарь, H, хомяк, Ц. Цыпленок. Ч. Часы. Ш. Шар. Щ. Щетка. Твердый знак. И. Мягкий знак. Э. Эскаватор. Ю. Юбка. Я. Якорь. Voilà donc les 33 lettres cyrilliques russes et je vous mets un récapitulatif. Puis nous allons maintenant voir les quelques lettres dont l'écriture et la prononciation sont similaires en français. A. A. Arbus. K. Кот. Н. Мышь. О. Облако. С. Стул. Т. Т. Топор. Sur ce récapitulatif, nous allons donc maintenant passer aux lettres qui sont similaires à la prononciation, mais que l'on écrit différemment. B.
B. Banane. V. Волк. Г. Гусь. Д. Дом. Ж. Жук. С. Заяц. И. Игла. И. Краткое. И. Краткое. Йогурт. Л. Лук. Н. Ножницы. П. Помидор. У. Утка. Ф. Фонарь. Ш. Ша. Шар. Э. Э. Эскаватор. Voilà, ça sera tout donc pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. On espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous aimez la langue russe, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne donc, Lou Anne, car à partir de maintenant, nous allons poster un vidéo par semaine pour vous apprendre la langue russe. Voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine fois. Ciao, ciao. Bisous. Пока.